Bonjour, je suis Monsieur Stacy Meba et dans cette capsule, nous allons apprendre à dessiner un tube à essai, un outil exploité en chimie. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une application de la suite Microsoft Office. J'ai cité ici Word. J'exploite la version 2019. Allons-y. Nous avons déjà au préalable ouvert Word. Nous allons aller dans Insertion, l'onglet Insertion et exploiter les formes. La première forme, cylindrique, on choisit, on positionne. Voilà. On peut augmenter encore. Voilà. Ça, c'est la première forme. On va chercher une deuxième forme. L'idée étant de choisir les objets les plus simples possibles pour la réalisation de notre tube à essai. Voilà. On va associer juste là en dessous. Oui, je crois que la taille et les dimensions sont bonnes. OK. Ensuite, on va dupliquer le tube à essai du haut, on duplique, le cylindre du haut, je voulais dire, on a dupliqué le cylindre du haut, voilà, le but étant d'avoir un liquide dans ce tube à essai, un liquide dont on peut modifier l'eau, le niveau. Donc, ce second cylindre va représenter le liquide. Maintenant, intéressons-nous à celui-ci, qui en lui-même va constituer le verre du tube à essai. Remplissage, on met aucun, voilà. Bordure, noir, vous choisissez la couleur qui vous convient. Là, on va prendre ici. Bordure, on augmente la taille à 1,50. Voilà. Bon, on va donner au tube à essai une coloration de vert. Donc, on va revoir notre remplissage et on prend. Bon, on peut prendre ça aussi. Bon, le choix vous revient. Moi, je vais prendre cette coloration-là, du gris accentué. Vous pouvez prendre ce léger gris-là aussi. Voilà. Donc, on va choisir ça. C'est bon. Oui. Et ensuite. Les bordures également ici, on a pris 1,5 d'épaisseur. Voilà. Voilà, cette forme ici va nous servir de fond de notre tube à essai. Donc, on va garder ça et on va exploiter maintenant le cylindre qu'on a copié, qu'on dépose dans le tube à essai. Nous pouvons voir ici que les dimensions sont assez grandes. On va diminuer. Ici, on replace. Voilà, on diminue un peu. Voilà, et on déplace. Voilà, je crois que là, ça peut le faire. Bon, chacun avec son appréciation va gérer. Et ensuite, on a comme un trait qui apparaît à ce niveau, juste en dessous. On va enlever les contours pour ce cylindre qui doit constituer notre liquide. Donc, on a soit on enlève les contours, soit on prend la coloration même. On cherche la coloration qui correspond. Voilà. On a pris la coloration qui correspond à cette liquide que l'on a choisi. Et voilà ainsi réalisé notre tube à essai. On peut maintenant assembler le tout. On clique sur l'ensemble des formes. Et là. Et sur le fond du tube à essai. On groupe. Grouper. Voilà. Et ici maintenant, on a notre liquide dont on peut modifier la couleur si on le veut. Ou encore changer. On peut changer la hauteur du liquide en
diminuant la forme. Voilà, on a ici réalisé notre tube haïtien. Bien entendu, si vous avez des questions sur d'autres matériels exploités en chimie ou en physique, vous pouvez faire des propositions afin que je réalise un petit tutoriel. Le liquide, on peut le changer, on peut changer sa couleur. Bien là. On peut mettre du vert, si on le souhaite, du bleu, du jaune, voilà. On remplit et on enlève juste les contours. Les contours peuvent prendre la coloration de notre liquide et c'est terminé. On clique dessus et on peut changer la hauteur du liquide dans le tube haïtien. Je vous dis à la prochaine pour une autre petite capsule de réalisation d'un dessin à partir de l'application Word.